Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malgré tout ce qui se passe, ouais, c'est pas très régalant tout ça. Voilà. Bon, alors, on m'a demandé de faire un tirage. C'est une personne qui est très déprimée et qui m'a demandé de vérifier si Macron allait vraiment partir. Ou si on allait le dégager, hein, voilà. Et quand? Et cette dame me précise qu'elle voudrait que je le fasse avec le pendule aussi, parce que voilà. Elle voudrait une date et voilà. Bon, on va regarder ça ensemble, d'accord? Donc je reprends mon jeu, celui-ci, ok? Donc voilà, on va regarder. Donc on va demander, est-ce que Macron va quitter le gouvernement, d'accord? Voilà. Bon, je vous baisse sur les cartes, hein, parce que voilà. Alors, est-ce que Macron va vraiment quitter le gouvernement? Alors, on me parle de remaniement, de changement de transaction et cet hiver. Donc, souvenez-vous ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Je ne veux pas en parler. Hein, parce que je ne voudrais pas que ça, qu'on dise que comme j'ai donné un mois avant de tirer les cartes, ça a empiété sur les résultats. Hein, d'accord, ok. Vous savez que j'ai ma façon de faire les cartes, mais j'ai aussi beaucoup de comment dire, de résultats positifs, d'accord? Parce que bah, vous voyez que dans tout ce que je vous ai dit, beaucoup de choses est déjà arrivée et beaucoup de choses est en cours d'arriver. D'accord? Bon, pour l'instant, c'est intelligence rusée, métier intellectuel. D'accord? Donc, en fait, ouais, il est intelligent, il est rusé, il a plus qu'un tour dans son sac. OK? Et métier intellectuel, vous savez, c'est sa tête. Sa tête, ben, il a plein d'idées en tête. Ok? Voilà. Bon, il y a la lumière, l'éclaircissement. Donc, voilà. Regardez, on a la justice, le jugement et les actes. Donc, je vous ai déjà dit que dans mes cartes, les actes, c'était quelque chose de un acte de huissier. Un jugement rendu par un acte de huissier et tout ça. Bon. Et on a la maison, le foyer. D'accord? Bon. Donc, ben, on sait qu'il est à l'Élysée, donc la maison, le foyer, ok, d'accord. Donc voilà, il y a un acte qui sera rendu là-bas, ok. Bon. Alors, est-ce que Macron va quitter le gouvernement? Alors, il y pense, il y réfléchit. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes, d'accord. Je les laisse assez longtemps pour que vous puissiez lire même à l'envers. Bon, on parle de l'homme, hein? Donc l'homme, c'est peut-être lui. Ou c'est peut-être un juge ou un huissier qui viendra lui remettre l'acte. Bon, on a encore le remaniement, le changement, la transaction, d'accord? Regardez, ça c'est sur justice et jugement, ok? Bon. Donc, vous voyez que la justice va faire du changement là-dedans. Bon. On a la joie, la bonne nouvelle. Donc, pour nous, hein, pour nous, ce sera une bonne nouvelle. Est-ce que Macron va quitter le gouvernement? Pour l'instant, ça reste en silence, d'accord? Donc ça doit, à mon avis, parler des plaintes et tout ça qu'il y a au cul, ok? Repos, secret, mystère. Tout ça reste en mystère pour le moment. On parle d'étranger. Donc en fait, pour moi, l'homme a des projets à l'étranger qui sont restés en silence, en repos. On n'en parle pas. Et tous mes tirages se ressemblent quand on parle de lui. C'est quand même un fait hasard. On reparle encore du jeune homme. Donc, c'est certainement un jeune homme de l'étranger, hein, qui va lui donner une place là-bas, pour moi. Bon, voilà. Parce qu'il a beaucoup de regrets, de culpabilité. OK? Alors,
Est-ce que Macron va quitter le gouvernement et est-ce que tu peux nous donner une saison où il partira? Bon, on a la création, l'art et les métiers manuels, d'accord? Ça veut dire que son projet, il est en cours de création, ok? Il y a beaucoup de papiers qui se font, voilà. Voilà, il va y avoir un avancement, une évolution, d'accord? Une élévation et une réussite à notre demande. On va avoir de la chance, d'accord? Et regardez, on a l'Élysée, gouvernement, voilà, patati, patata, ok? Donc, ce jeune homme fait peut-être partie aussi du gouvernement, de l'Élysée. Est-ce que Macron va quitter le gouvernement ou se faire virer du gouvernement? Et peux-tu nous donner une période? Regardez, il y a la justice et les lois, d'accord? Donc, en fait, regardez, il y a beaucoup de papiers qui se font. D'accord? Là, on a création, art, métier manuel. Je vous ai dit, ça peut être les papiers. Ok? La justice et la loi. Pour l'instant, voilà. D'accord? Il y a des papiers qui se font à la justice. Il y a des dualités et des adversaires. Bon, il y a l'amour, passion. Et on a tentation, envie. En fait, vous savez qu'il est plus attiré sur l'étranger, d'accord? Bon, voilà. Lui, il n'a pas du tout l'amour et la passion de la France parce que sinon, il n'aurait jamais rendu ce pays comme il l'a rendu. Est-ce que Emmanuel Macron va quitter le gouvernement ou va être viré du gouvernement et à quelle date? Enfin, à quelle saison? Donc, justice, loi, on a danger. D'accord? Il va y avoir du danger pour lui. Hein. Compromis, arrangement, collaboration. Ça reporte vraiment ce que je vous disais dans tous mes tirages concernant Pinocchio. Les idées. Bon, il est protégé hein, quand même, d'accord? Alors, trahison, méfiance, mensonge. Il y a quelqu'un qui va, la justice, hein, qui va être un danger pour lui et qui va le trahir. Et ce sera une femme. Bon, là, on a l'été. Donc, pour l'instant, cette femme va parler cet été, certainement. Et on a le travail et les contrats. Donc, c'est peut-être quelqu'un... ministre du travail ou je sais pas, d'accord? Ou alors elle est en train de signer des accords avec quelqu'un pour faire tomber Macron. Donc on a nom, mais nom de quoi? Construction, information, information. Donc pour l'instant, nom négatif, on ne sera pas informé de ce qui se passe. Bon, il y a les erreurs. Donc, cet été, on va apprendre les erreurs de Macron. Et ce sera une surprise. Et ça, je vous l'ai toujours dit. C'est comme je vous ai toujours dit que ce sera un compromis, un arrangement, la collaboration. Je vous ai toujours dit que la justice lui dira de partir. Mais ils trouveront ça... ils vont trouver, ils diront que, en fait, ils vont le virer, mais ils vont trouver un truc pour faire croire que c'est lui qui est parti, pour plus qu'il soit trop en danger, d'accord? Parce qu'il aura tellement foutu la France par terre que même si on le retrouve à l'étranger, certaines personnes seraient assez en colère pour que ça se passe mal. Bon, là, on a le soutien, l'appui, hein, d'accord? Donc, il est soutenu, il est appuyé, hein. Bon, il faut attendre, il faut de la patience. Il y a une jeune femme, donc peut-être sa belle-fille, hein, puisqu'elle est avocate, d'accord? Voilà. Et donc, là, il perd. Il y a une cassure, il y a une séparation, d'accord?
Mais ça, ça reste la surprise. Voilà. À quelle saison va partir Macron? Alors, ensuite, on aura des messages, des nouvelles hein, de cette histoire avec les enfants. Attention, il y a une histoire d'enfants là-dedans. Et oui, positif, vous voyez? Donc, pour l'instant, c'est non positif, mais oui, positif, il va partir avec du temps et de la patience. Voilà. Et il y aura la compréhension, le pardon. C'est bien ce que je vous dis. D'accord? Je vous dis qu'il va se faire virer, mais pour qu'on le pardonne, on fera croire que c'est lui qui s'en va. D'accord? Ok? Voilà. Bon. Je vais faire avec le jeu de Chesa, hein, d'accord? Les 13 cartes. Est-ce que Macron va quitter le gouvernement ou va se faire virer cette année, on va demander. D'accord? On verra bien hein, si les cartes peuvent parler ou pas. On verra. On ne sait pas. Voilà. Donc, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on a les énergies positives. Et on doit rester positif, d'accord? Il faut être en connexion avec la nature, laisser le passé derrière soi. On est sur le bon chemin, en tout cas, d'accord? Donc, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher sur les énergies négatives. Il va y avoir du renouveau. On va être épanoui, guéri. Si on a des pensées positives, il faut avancer et évoluer, prendre du temps pour soi et développer notre troisième œil et repérer les signes. Bon, vous savez que de toute façon, il y a des signes à repérer. Est-ce que Macron va quitter le gouvernement cette année ou se faire virer du gouvernement cette année? 3, 6, 7, 8, 9. Elle s'est retournée, donc on va la prendre. 10, 11, 12, 13. Donc on a le destin, ou hop, 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 le destin. Chasser le négatif. Couper les liens toxiques. Mauvais choix, on a fait un mauvais choix, ben bien sûr. Se remettre en question. Alors peut-être que nous aussi on a changement de direction. Le nouveau chemin de Macron, l'amour. Lâcher prise. Regarder devant soi. Donc y croire, hein, d'accord? Alors celle-là, elle s'était retournée. Et voilà, il faut oser. C'est pour ça que je l'avais mis de travers. Parce que, voilà. Donc là, j'ai non. Non. Je sais pas. Écoutez vos guides. Et c'est juste une question de temps. Bon, alors ça a peut-être encore changé. Maintenant, c'est peut-être plus cette année. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, écoutez, je ne sais que vous dire. Si on demande aux pendules, oh, sympathique cette histoire de Macron. Hein. Moi, vous savez, la politique, c'est deux. Voilà. Et puis, il faut dire que tout le monde se bat pour une place au gouvernement. Donc, j'étais aussi gilet jaune, hein, moi. J'allais passer mes nuits sur le rond-point, je vous rassure. Mais quand je vois le comportement de certains, franchement, je n'ai plus envie d'aller me fatiguer. Voilà ce que je voulais dire. Hein. Je ne crois plus en personne. Tout le monde veut une place au gouvernement et ça va, c'est bon, on y en a marre. Alors, est-ce que Macron va quitter le gouvernement cette année? Est-ce que Macron va quitter le gouvernement cette année? Vous voyez, on me dit peut-être, ok, stop. Est-ce que Macron va se faire virer du gouvernement cette année, donc en 2020? Est-ce que Macron va se faire virer du gouvernement cette année, en 2020? Vous voyez, c'est peut-être. Pour moi, à mon avis, c'est un problème de justice.
faut attendre la justice. Stop. Est-ce que Macron va finir son mandat jusqu'en 2022? Est-ce que le président Macron va finir son mandat jusqu'en 2022? Bon, alors, vous voyez que c'est non, d'accord? Alors, vous, vous voyez à l'envers. Avec le téléphone, vous voyez à l'envers. Alors, quand ça tourne dans l'aiguille d'une montre, c'est oui. Quand ça tourne en sens inverse, c'est non, d'accord? Mais vous, vous voyez à l'envers. Donc, quand vous voyez le non pour moi, vous, vous voyez le oui, certainement. Et quand moi, je vois le oui, vous voyez le non, d'accord? Voilà. Bon, alors, on va peut-être redemander quand même... ça. On va peut-être redemander quand même est-ce que Macron va quitter le gouvernement cette année? Est-ce que Macron va quitter le gouvernement cette année? Alors, on me répond peut-être encore une fois, vous voyez. Est-ce que c'est un retard de procès de justice envers Macron? Est-ce qu'il y a un retard de procès de justice pour Emmanuel Macron? Donc oui, hein, vous voyez, c'est oui. Hein. Voilà, donc c'est oui. Hein. Alors, si Macron quitte le gouvernement cette année, en quel mois il pourrait partir? Macron quitte. Bon, on me redit décembre, d'accord? Alors, on va demander en quel mois Emmanuel Macron va être viré ou quitter le gouvernement? Donc voilà, en fait, ce sera entre, pour moi, voilà, d'après ce que mon pendule dit, d'accord? Ça sera vraiment entre fin décembre et début janvier. Est-ce que Macron va quitter le gouvernement en janvier 2021? Voilà, c'est oui. Tu me dis que Macron va quitter le gouvernement en janvier 2021. Peux-tu me donner une date approximative? Bon, alors on me dit vers le 10 janvier. Bon, mais c'est normal. Il faut comprendre que les dates reculent par rapport aux anciens tirages. Je vous explique. Nous allons être confinés, d'accord? Ce qui arrange M. Macron, parce que pendant ce temps-là, bah, les tribunaux vont remettre les affaires de côté. Ce qui fait que ça va retarder. Vous comprenez bien. Enfin, faut pas avoir un bac plus 10 pour comprendre ça. Ok? Voilà. Donc, moi, j'avais vu qu'il allait partir décembre, d'accord? Maintenant, on me dit le 10 janvier. Ben oui, parce que, avec ce qui se passe, le tribunal reprend du retard. Et avec ce qui va se passer, il va reprendre du retard. Donc, ce qui devait être traité mi-décembre ou fin décembre, ben, il va être traité début janvier. Voilà. Après, ce n'est qu'un tirage de cartes, ce n'est qu'un pendule, d'accord? Et n'oubliez pas que nous avons affaire à un président super comédien, ok? Ouais, parce qu'il est super comédien, parce qu'il joue au théâtre, hein, et il est à la bonne école avec Brigitte, donc voilà.
Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Bon, ça recule encore. Alors après, peut-être que si on regarde d'ici peu de temps, ben, ça va reculer ou ça va encore, je ne sais pas. Hein, voilà. Les dates, c'est très compliqué. Mais vous avez très bien vu que même le pendule dit qu'il ne finira pas, il n'ira pas jusqu'en 2022. Donc, soyez rassurés. Mais s'il vous plaît, ne déprimez pas, parce que plus vous êtes négatif, plus vous allez attirer le négatif, d'accord? Si dans votre tête, vous vous dites, Macron va partir, c'est sûr, Macron va partir, c'est sûr, Macron... Macron ne finira pas son mandat, ok? Eh bien voilà, c'est ce qui arrivera. Voilà. En fait, il faut vraiment penser positif, d'accord? Je veux que Macron parte avant la fin de son mandat. Voilà, un exemple de phrase qu'il faut que vous vous répétez 3-4 fois par jour. Vous pouvez le faire en faisant votre vaisselle ou enfin voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être concentré, donc c'est pas une perte de temps. Mais si tout le monde pouvait parler positif, eh bien, je vous jure que ça irait beaucoup plus vite. D'accord? C'est comme ça. Ouais, il faut vraiment qu'on garde confiance en nous. Hein. Vous avez vu, ils le disent, les cartes. Donc, voilà, quoi, il faut que ce soit, il faut qu'on s'y mette tous ensemble, d'accord? Il faut prier aussi. Alors, prier, ça ne veut pas dire se mettre à genouiller, prier, non, non, non. Parlez à vos anges gardiens comme si vous me parlez à moi, enfin, voilà, comme si vous parlez à votre mari, à vos enfants, enfin, voilà, c'est voilà. Mais demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide à plus haut, la justice divine, d'accord? Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Ce n'est plus possible, d'accord? Voilà, nous devons changer. Vous voyez le truc? Ce n'est plus possible, c'est négatif. Nous devons changer, c'est positif, voilà. Donc, il faut y croire. Surtout, il faut y croire. Et il faut, oui, bien sûr, il faut demander l'aide de nos anges, de nos guides, de Dieu. Hein. Vous pouvez prier, enfin, voilà. Mais je ne force personne à le faire. Je ne force personne à aucune religion, d'accord? Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Moi, chacun sa vie, ok? Voilà, bon, écoutez, c'est tout pour ce soir. Bon, je vais peut-être revenir tout à l'heure pour un autre tirage parce qu'il y a d'autres questions qui attendent. Mais bon, voilà, je n'ai pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a monté la dernière étagère, hein, voilà. Avant, il n'y avait que ça. Maintenant, il y a l'autre au-dessus, voilà. Et puis, j'ai fait mes orgonites avec ma nouvelle résine. Donc, voilà, voilà. Et puis, je n'ai pas pris le modèle. Bon, vous allez voir, je fais des nouveaux porte-clés. Porte-clés ou déco de sac à main. Bon, je vous montrerai tout ça. Je referai une vidéo là-dessus. D'accord? Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Hein, voilà. Voilà, voilà. Allez, bisous.